Eh bien, rebonjour les natifs de la Balance. J'étais en train de terminer votre tirage sur le mois de novembre et la vidéo a coupé pour vos décans. Donc, j'avais tout juste choisi votre petit papier qui était tombé pour le petit mot-clé. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à regarder l'autre partie des natifs de la Balance pour le mois de novembre, puisque là, on est vraiment en fin de tirage. Alors, j'étais en train de vous dire que le petit mot qui était tombé, c'était la couleur violette, d'accord? Donc ça se référait bien au chakra coronal du début de la guidance. Donc on a vraiment un lien spirituel. Cependant, le petit mot était tombé de lui-même. Et là, je vais choisir un mot pour chacun d'entre vous pour les décans. Allez, je ne regarde pas. Premier décan, deuxième et troisième. Voilà, premier décan, vous avez la détente. La détente pour ce mois de novembre. Donc prenez du temps pour vous. Deuxième décan, vous avez les médisances. Attention sur à qui vous vous confiez. D'accord? Par rapport à votre vie privée, ne vous confiez pas à certaines personnes, même si vous pensez que ces personnes sont bonnes pour vous. Attention au ragot, attention. Attention à ce qui pourrait se répéter sur vous, sur votre relation, sur votre vie professionnelle. Attention, gardez pour vous vos états d'âme. Parce qu'on a vraiment les médisances et ça ferait que vous impacter dans votre situation. D'accord? Attention, là, vous n'avez pas forcément d'amis qui viendront vous réconforter ou vous dire de bonnes choses. D'accord? Attention à qui vous confiez. Et les troisièmes décans, vous avez la séduction. Donc, il y a un petit côté de séduction. Il va falloir raviver tout ça sur le mois de novembre. Voilà les natifs de la Balance. Bien sûr, n'hésitez surtout pas à regarder la première vidéo qui est complet, professionnel, sentimental, relationnel, avec aussi les cartes conseils pour votre mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. À très bientôt, au revoir.